suis impressionné par la manière dont tu as géré ce Dobranski. Ce mec était pourri jusqu'à l'os. Il méritait ce qui lui est arrivé. J'ai suffisamment travaillé avec toi maintenant pour te donner quelques conseils. Mais avant tout, laisse-moi t'en dire un peu plus sur moi. Alors, tu sais que je reviens d'une mission en Italie. Tu sais aussi que je suis un ancien militaire qui a fait toutes les guerres entre le Vietnam et la guerre du Golfe. Ce que tu ne sais pas, c'est que je suis un ancien barbouze de la CIA, un de leurs tueurs. Mais je vais peut-être un peu trop vite. N'oublie pas, Stone. Dimitri sortira de l'église vers 15h. Une grosse berline l'attendra. Tu auras environ 30 secondes pour remplir le DP. T'inquiète pas, Poulette. Faisais déjà ce boulot que tu marchais pas encore. En plus, c'est pas la peine d'utiliser les grands mots. Dis seulement, pute-le. Si Hunter n'avait pas disparu, j'aurais eu plus de temps pour préparer ça. Nous travaillons pour le gouvernement, Stone. On ne dit pas buter. Pour le reste, plains-toi auprès de Gina, s'il te plaît. Désolé, patron. Je rigolais, t'inquiète. J'ai largement plus de temps qu'il en faut. Terminé. Au cours de mon enquête à Pescara, j'ai appris que la Cosa Nostra était mouillée. Une grande famille de lombris. Gabe a décidé qu'on ne pouvait pas les laisser croire qu'ils pouvaient faire du trafic d'armes bactériologiques comme ça. Il fallait tuer leur chef, Dimitri Alexopoulos. C'est moi qui étais chargé de m'en occuper. Parce qu'en plus d'être beau comme un dieu, je me débrouille bien avec un fusil à lunettes. J'avais du C4. Je savais qu'après le coup, je devais créer une diversion pour faciliter ma fuite. Mon plan consistait à placer une charge dans la rue, à l'opposé de mon itinéraire de fuite, et de la faire exploser juste après avoir réglé le compte de Dimitri. Un autre truc. Je n'utilise jamais de couteau. C'est trop crade. J'aime que mes fringues restent propres. En plus, ça peut faire du bruit de tuer quelqu'un avec un couteau. Ce n'est pas conseillé lorsque tu te trimbales avec un fusil. Au lieu de ça, j'ai un truc. J'appelle ça le casse-cou. Tu arrives derrière ta cible, tu lui prends le menton avec ta main droite et tu tires d'un coup sec. Ça suffit largement. Que Dimitri sortirait par le devant de l'église. Il n'y avait qu'un endroit possible pour tirer, la tour de l'autre côté de la rue. Je devais m'y rendre et déballer mon matériel au moins 5 minutes avant l'heure fatidique. La sonnerie de la cloche permettrait de masquer la détonation du fusil. Cela me permettrait de gagner quelques minutes avant qu'il comprenne d'où était parti le coup. Thank you.
restait plus que quelques secondes avant que la cloche ne sonne 3 heures. Je me suis mis en place et j'ai pris mon fusil. La cloche sonnerait 3 fois. Au premier coup, je viserai. Au deuxième, je respirerai. Et au troisième, je tirerai. Nessuno mi ha avvertito. Accompagnami alla mia riva. Partiamo. De déclencher les charges. Satisfaction lorsque tu as terminé une mission et que tout s'est bien passé. Tu as terminé la mission en un temps record. C'est Voici mon histoire. Est-ce que je repense à tous ces meurtres, toutes ces vies perdues? À leur famille. Est-ce qu'ils aimaient leurs chiens? Bien sûr que j'y repense. C'est impossible de faire autrement. La nuit, tu te réveilles dans ton lit et tu vois leur visage grossi par la lunette qui te fixe dans le noir. Le fait que leur mort ait permis de sauver des centaines, voire des milliers de vies ne change rien du tout. Et c'est comme ça. Ça finit par passer. Tu recommences à dormir normalement. Tu arrêtes d'être totalement humain, ça se passe comme ça. Tu gardes toujours l'œil ouvert, qui sait. Peut-être que j'aurai une EDP avec ton nom dessus.